Willy Sutton, cambrioleur de banque accompli et maître de l'évasion, se vit un jour poser cette question par un journaliste. Pourquoi braquait-il des banques? Sutton répondit, parce que c'est là où est l'argent. Et Sutton avait raison. L'argent est dans les banques. Mais il est aussi dans les portefeuilles, les boîtes à chaussures, les pots à biscuits et les demeures privées non hypothéquées. Si Sutton avait vécu à notre époque, il n'aurait pas cambriolé les banques. Il aurait braqué les riches. Ils sont désinvoltes, pensent avoir tous les droits et sont particulièrement peu méfiants. Ils accrochent 2 millions de dollars à leur mur et invitent n'importe qui à se saouler au champagne. Bonsoir. Puis-je mettre ça quelque part? Avec les autres. Merci. Dites, vous savez où sont les garçons? Près du piano. Ah, oui, ils sont là. Je pourrais avoir un verre de quelque chose? Prenez celui-là. Santé. Ça a toujours été une passion. Je l'apprends aussi à mes petits-enfants. Mon petit-fils adore la magie. Ma femme dit que c'est de la maltraitance, enfin. Avec deux doigts. Comme ça, donnez un petit coup. Oui, super, vous l'avez desserré, formidable. Vous prenez ce nœud et vous le placez dans la main de ce jeune monsieur, sans oublier de vous présenter. C'est vous, fiston. Bonsoir, moi c'est Marguerite. Russell. Donnez votre verre, voilà. Bon. Donnez-moi votre main gauche, vous posez le nœud et on recouvre avec la main. Par-dessus, comme ça? Oui, c'est parfait, parfait. Regardez ma main. Ouvrez vos mains. J'adore, je vous débarrasse. Vous êtes fantastique. Tenez, je vous donne merci. Ça. C'est votre vrai nom? Oui, bien sûr. Vraiment? Non. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? J'adore la poésie. Et vous? Ah, oh. C'est ce que je préfère au monde, une vraie passion. Ah ouais? Quel genre? Tout. La poésie épique, introspective, limerique, haïku, prose. Slam? Oui, c'est une forme de poésie extraordinaire. C'est sûr. Non, sérieusement, qu'est-ce que vous faites là? Je suis consultant en art. C'est quoi exactement? Putain, ça marche, je ne crois pas. Je suis un peu plus bourré que prévu. Surprise, surprise. Ok, merci. Et va te faire foutre, Michael. Comme nous le savons tous, Michael a sorti un nouveau recueil de poèmes. Et on applaudit chaleureusement le poète. Magnifique. Mes amis, si vous voulez bien prendre vos verres et me suivre jusqu'au pool house où nous pourrons entendre Michael nous lire quelques-uns de ses poèmes. Hola, hola. Attends, attends une minute, s'il te plaît. Un seul. Un seul poème. Deux poèmes de Michael. Un seul, j'avais dit un. Je vais me chercher un autre verre de vin. Vous voulez quelque chose? Oui, comme vous. Je serai dehors. Comme je vous l'avais dit, je vais vous lire un poème, d'accord? En fait, il veut dire deux.
Très bien, j'en lirai deux si quelqu'un fait taire cet emmerdeur. Je suis pris. Bang! Ah, eh ben, c'était à deux doigts. Qu'est-ce que tu fais? C'est le tapis. Quelqu'un a renversé du vin dessus. Je vais le porter au nettoyage. Où sont mes papas? Tes pères sont dans le pool house, là-bas. Tu vas aller les voir? Oui. Ok. T'as quel âge? Au moins 6 ans, je parie. J'ai 4 ans. 4, c'est tout? Wow! Dis donc, t'es sacrément en avance. Allez, viens. Dis-moi... Tu peux me rendre un service? Oui. Super, on y va. Quel est ce là-bas? Il y a le monsieur qui m'a dit de t'apporter ça. Quel monsieur? Celui qui est là-bas. Merci. Pas de quoi. C'est quoi dans ce sac? Demandez-moi plutôt qui est dans le sac. Merci d'être venu si vite. Je vais aller droit au but. Je vous écoute. Nous sommes au point où le garder devient impossible. Ouais, je comprends. Oui, nous devons prendre en considération la communauté dans son ensemble. Nous sommes un petit groupe et pour être honnête, bien que nous adorions avoir Raymond chez nous, il est, disons, très difficile à gérer, comme vous devez le savoir. Oui, je sais, bien sûr. Pouvez-vous me donner un exemple de son comportement, de ce qu'il fait? Oui, mais d'abord, voilà ses papiers et certains de ses dessins. Je pense qu'il a tout le reste avec lui. Très joli. Ce sont les prostituées. Quoi, pardon? Eh bien, il a pris l'habitude de soudoyer les gardes, il a fait des stocks de lithium, d'adéral et de xylophan, et les troque aux prostituées contre des cachets de barbiturique. Ouais. Ce sont des prostituées. Nous sommes un centre municipal d'intégration bénévole. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous sommes dans une grande ville. Oui, bien sûr. Je suis vraiment désolée.
C'est quelqu'un d'adorable, mais ici, nous avons des gens fragiles, bien plus que lui, et c'est trop dangereux. Mm-hmm. Je suis persuadée que votre frère s'en sortira. Je te raconte une blague? Pourquoi pas, ouais. Ok. C'est un Irlandais qui sort d'un bar. T'es trop nul. C'est mon chauffeur. Salut, prends soin de toi. Ouais, toi aussi. Salut. Tu veux manger un truc? Ouais. Tu sais, pour papa. Ouais. Faut organiser des obsèques. C'est chiant. Qu'est-ce que tu penses de... faire une minute de silence? Ouais. Ça te va? Mmh. Ça va durer combien de temps, ta minute, là, de silence? Quoi? Une minute? Qu'est-ce qui te prend? Ok, non, rien, ça doit faire une minute. De toute façon, ça suffit, là, non? Et j'ai le droit de dire au revoir à mon père, ou quoi? Oui, ok. Y a un truc qui va pas? Non. T'es fâché contre moi? Ah, mais non. Tu t'inquiètes pour moi? Il faut pas que tu t'inquiètes non, pour je moi, suis pas je peux m'occuper de moi, ou alors c'est qu'on est maudit. Je suis pas inquiet pour toi. Tu sais quoi? Je vais faire un truc pour toi. Et quoi? Écoute bien, je t'explique, ok? Oh, pitié. Non, écoute-moi, ouais. C'est génial. Alors, c'est... voilà. Le diazépam, tu vois? Ou n'importe quel tranquillisant. Mmh. C'est topissime si t'as besoin de te détendre, ok? Bah. Et après, on a les dextroamphétamines. Ces trucs-là, on les donnait aux super soldats au Vietnam, tu sais. C'est hyper pratique, ça dure 48 heures. C'est la solution pour les situations qui requièrent un peu plus d'attention, tu vois? Ça a l'air fantastique. Réfléchis, parce ouais, que... j'y réfléchirai. En fait, c'est un truc très fort. Rien qu'une moitié, ça te fera de l'effet. Oui, j'y réfléchirai. Est-ce que t'as piqué la boîte pour les orphelins sur le comptoir? Oh, oui, peut-être. Avec des lynx. Mm-hmm. Tu veux que j'aille... Oui, ça. Ça serait bien, ouais. Ok. Monsieur, j'ai... Je vous rapporte la boîte à dons. Je l'ai trouvée... sur le coin de la table, derrière, près des punks à crête, là. Vous devriez vérifier ce qu'il y a dedans. Je la trouve... je sais pas, je la trouve bien légère. Merci, monsieur. Merci à vous, mon garçon. Ben, wow. Il faut secouer la poignée. Excuse-moi, je veux dire... Ouais, bon. Tu dormiras là. C'est pas un palace, mais ça fera l'affaire pour l'instant. T'as une liste des diverses commodités du quartier? Et peut-être une carte de la région. Ma femme et moi, on se ferait bien une petite visite touristique. C'est temporaire. On va trouver quelque chose de mieux. Mais écoute, c'est... Monsieur! Tu peux pas rester là. Je vois quelqu'un et elle vient ici de temps en temps. Oh, de temps en temps? Mais non, tu vois personne. Quoi? Je dis, tu vois personne. Si, je vois quelqu'un. Non, c'est faux. Je te dis que si. C'est vrai? Et je te dis que tu as dit je te dis que si en clignant des yeux, c'est un signe. Et puis y a pas de tampon ou de deuxième brosse à dents dans la salle de bain. Tu sais quoi? Je vais aller ailleurs, non, ça non, m'ennuie non, de te non, déranger. Non, fais pas ça, arrête tout de suite. Fais pas ça. Je plaisante. Où tu veux que j'aille d'autre? Écoute, je te remercie pour chaque nuit passée ici. Merci. Top là, frangin. Non mais quoi, vas-y. Ok. Viens là. Oh. Ok, tout va bien. C'est vrai? Ouais. Voilà, c'est bon. Ok, allez, voilà. Pas de prostituée. C'est cool, ça. Allez, chérie, c'est bon. On arrête pour aujourd'hui, ça suffit.
Je peux vous aider? Oui, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Le nom de la réservation? Namas. Je crois que vous êtes le premier arrivé. Vous pouvez vous asseoir au bar, je vais vous installer. Ivan. Un verre de vin rouge. Une préférence? Oui, dans un verre. Et rouge. Là-bas. Tout de suite. Merci. Bien. Alors, t'as le lapin? Oui, je l'ai donné à un de tes gars. Bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Je voulais te parler. Ah oui? Et me parler... Me parler de quoi exactement? Eh bien... D'après mes comptes, on arrive au bout. Oui, absolument. Enfin, il faut que je vérifie d'un peu plus près. Ton père a été en compte avec moi pendant longtemps. Il avait l'habitude de s'asseoir au bar, ton vieux père. Il se plantait là tous les jours avec son gâteau de riz et le journal des courses. Il a pas manqué un jour. Toi, t'as jamais eu le virus. Non, c'est pas mon truc, mais écoute, voilà, je vais en faire deux de plus. Encore deux, et après, fini, je m'arrête. Tu devrais réfléchir, souviens-toi, j'ai ta parole, alors ne t'en pas. On en a parlé, déjà. Non, non, c'est toi qui en as parlé. C'est toi qui en as parlé, Ivan. T'es content? Ta petite boîte à chaussures est pleine? C'est adorable. Je vais t'expliquer quelque chose que ton père m'a expliqué. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Tu comprends ce que ça veut dire? Ouais, on a vu le résultat pour lui. C'est un jeu qui demande de la discipline. Il y a des règles qu'il faut respecter et observer. Je sais que tu le comprends. Un petit infarctus il y a quelques années. Je dois avaler ces cochonneries de pilules le restant de mes jours. Excuse-moi. Non. T'as une sale mine. Non, ça va. J'ai pas assez dormi. Arrête de fumer. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Oui, j'ai essayé, j'ai arrêté il y a 2 ans. Alors recommence, mais fais quelque chose. Écoute, je suis pressé, j'ai une grosse journée. Et je te promets que je vais vérifier où en est la dette de ton père. Il faut que tu comprennes une chose, Ivan. J'ai confiance en toi. Notre relation est basée là-dessus. Je t'aime, je veux dire, je te considère comme un fils. C'est pour ça que c'est si important pour moi que tu réussisses. Oui, je sais. Je le sais. Et j'apprécie tout ce que t'as fait pour moi, mais je vais pas faire ça toute ma vie. Je veux un chiffre. Tu l'auras, ton putain de chiffre, Ivan. Ça va, c'est pas la peine de t'énerver. Mais c'est pas si simple. Ça implique un tas de choses que tu peux pas comprendre. Faut que je calcule les intérêts sur ce que me devait ton père. Très bien. Allez, va-t'en. Quoi? Non, rien. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? J'ai rendez-vous avec un ami. La réservation est à quel nom? Namas. D'accord. Je peux vous débarrasser? Non. Merci. Suivez-moi. Dites-moi, je viens de déposer quelqu'un, je peux utiliser vos toilettes? Les toilettes du personnel sont par là. Super, merci. Mmh.
Wow. Wow. Donc vous me suivez? Oui, bien sûr. Vous avez changé quelque chose, non? J'arrive pas à dire quoi. Qu'est-ce que vous faites là? C'est une grande soirée caritative. De quelle œuvre s'agit-il? Oh, c'est celle, vous savez, dont tout le monde parle. Ces gens vont sauver toutes sortes de choses. Ils se battent pour les enfants, l'eau, l'alphabétisation, les dauphins. Les dauphins, ouais. Non, je suis très concernée par tout ça. Ouais. J'aurais... En fait, j'ai un service à vous demander, mais je dois faire pipi. Attendez-moi. Vous m'entendez faire pipi? Oui. C'est très gênant. Éloignez-vous de la porte. Merci. Pas de quoi. Donc, je suis venue bien sûr pour faire œuvre de charité. C'est évident. Merci. Et parce qu'il y a... Il y a aussi ce producteur italien qui va faire un film dans lequel je veux un rôle. Mais disons qu'il a des vues sur moi. Voilà. Oui, alors je lui ai dit que mon petit ami serait présent. D'accord. C'est quoi le rôle? C'est trop embarrassant pour en parler. Allez, ce sera plus facile d'être un petit ami crédible si je sais de quel rôle il s'agit. D'accord. Eh bien, c'est un film d'horreur italien et je jouerai une mariée sorcière. Ah, c'est pas si honteux. Je suis nue pendant les trois quarts du film. Ah, c'est un film de genre. Alors, acceptez-vous d'être mon faux petit ami ou pas? Bien sûr. Allons repérer l'animal. Ok. C'est lui là-bas, à 6 heures? Comment vous le savez? Je sais pas, il a une tête à ça. Oui, mais il y a un tas d'autres candidats ici. Il n'y a que 3 Italiens ce soir. Celui-là, il vous fera pas grand mal, il est presque mort. Celui-là non plus, ça me semble assez évident. Et celui-ci? Il est juif. Comment vous le savez? Ah, ok, d'accord, je suis très impressionnée. Bingo. Le voilà qui arrive. Ah oui, il croit que je suis à moitié italienne. Vous parlez italien? Oui, enfin, pas vraiment. Giovanni! Bella! Giovanni? Giovanni? Bellissimo! Buonasera, Ivan. Ah, parli italiano? Un pochissimo. Ah! On dit comme ça? Ah, comme ça, ouais. C'est bien, déjà, hein? Giovanni et moi, on se disait tout à l'heure que la maison de Paul est si... Oh, c'est une merveille, oui. Mm. Ah, très belle, si. Et comment vous connaissez Paul? J'ai connu Paul par Marguerite, dont... Élise, par moi, en fait, Élise. Donc, je t'ai fait rencontrer Paul à une soirée à New York. Oui, oui. La soirée à New York, je me souviens très bien. Oui, Paul, charmant garçon, c'est quelqu'un de... Super grand. Ouais, il est altissimo. Très grand et... Paul, altissimo. Si, si, ouais. Paul est grande. Ouais. Ami d'ami. Si. Ah. Les tableaux. Cusi cusa. Oh, c'est un Modigliani. Ah, il est ici? Je crois qu'il est mort. Oh, bien. Je vais vous laisser. On se voit tout à l'heure. Salute, salute. Ciao. Ciao. Grazie. C'est un plaisir. Oui, un plaisir partagé. Oh, ses mains. La mienne, elle disparaît. Oh là là. Très musclé, le gaillard. Merci. Merci. Ce salon a l'air incroyable. On va visiter? D'accord. Tu fais une partie? Oui. On dit... 100 dollars au vainqueur. Pourquoi pas 1000? 1000? C'est parti. T'as pas une tête à savoir jouer. Tu te surestimes. Peut-être. 600, c'est tout ce que j'ai. Ah, tu peux descendre le zip. Oui. Merci. C'est d'un peintre célèbre. Oui, c'est un Philip Guston, milieu des années 40. Au début, c'était un peintre abstrait, et puis avec le temps, il est devenu plus figuratif, plus politique. Il haïssait Nixon. Et ça a de la valeur? J'en sais rien. Pourquoi tu fais des films d'horreur italiens? Tu sais qui est Anton Eisenstadt? Pas du tout. C'est un producteur à Hollywood.
énorme, dans tous les sens du terme. Tu vois, le genre à dire, tu ne retravailleras plus jamais dans cette ville, chérie. Je vois, oui. Bah, il l'a dit et il le pensait. Je l'avais rencontré au cocktail d'une remise de prix. Il était drôle. J'avais déjà tourné 2-3 films et j'étais sur une liste d'actrices prometteuses à surveiller. J'avais un peu trop bu et il m'a dit qu'on allait à une after chez lui. J'étais jeune et je savais pas grand-chose de la vie. Il n'y avait pas d'after chez lui. Je me suis enfermée dans la salle de bain, lui tambourinait à la porte. Dès que j'ai entendu qu'il était au téléphone, je me suis sauvée. Poche latérale. Bien. Je sens que je me suis fait avoir. Oui, peut-être, ou c'est que j'ai de la chance. Peut-être. Tu peux... Oui. Comment je suis? Ah, tu es la bella, finalement. J'ai été cherché partout. La maison, elle est grande. Merci, chérie. On se retrouve là-bas. D'accord, mon cœur. Amusez-vous bien, les enfants. Je vais te présenter à un ami très riche, oh, producteur aussi. Si, prego. Aspettami. Ivano. Un amico vuoi un cocktail, vino, champagne. Il fait la tête, le pauvre, tu es bello ragazzo, c'est vrai. Tu pourrais faire des films. Ok. T'aspettiamo. Ciao. Oh, Gianca. Monsieur? Ivan, installe-toi. C'est bon. Je veux rien entendre, rien savoir. J'essaie de gérer un business immobilier, moi. Nous essayons de gérer un business. Il n'y aurait aucun business sans moi. C'est pas les clowns qui gèrent les cirques. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais très bien ce que ça veut dire. La ferme. Toi, la ferme. Philippe Guston. Magnifique. On dirait un coloriage de gosse. Mon frère est un ignorant. Toi et moi, on s'est appréciés. Et à ton avis, combien ça peut valoir? Difficile à dire. Dans une vente aux enchères, ça monterait à 5 millions, mais dans le privé, entre 1 et 2. Combien on avait dit pour ta commission? 30K, c'est ça? On avait dit 50. T'inquiète pas, je rigole. Fais-moi confiance. T'auras ce qui te revient.
Bon, écoute, j'ai autre chose pour toi, un autre job, un peu spécial. C'est un autoportrait d'Adolf Hitler. Son premier tableau, paraît-il. Qui est le client? Benny Green, milliardaire juif. Je crois qu'il veut le brûler ou un truc comme ça. Je vois. Il appartient à qui? Un certain John Wolfe. Il vit au fond d'une sierra, près de Mammoth. Ce type a fait des wagons de pognon avec son entreprise de textile et il a fini par acheter la moitié de Manhattan. Il possède une immense collection de souvenirs nazis et d'objets ayant appartenu au Führer, comme tu sais peut-être. Ou pas, d'ailleurs. Hitler se prenait pour un grand artiste. Il a postulé aux Beaux-Arts. Il s'est fait recaler et on connaît tous la fin de l'histoire. Il le garde où, le tableau? Dans sa propriété. Et c'est quoi la sécurité? Ben, c'est ça le truc. Ça va te plaire. C'est quoi le truc? Le truc, c'est qu'en fait, il n'y a aucune sécurité. Je veux dire, il n'y a pas d'alarme, pas de vidéo de surveillance. Il n'y a que ce type qui vit avec ses deux molosses. Ces bordels nazis, il les garde tranquilles dans son antre chez lui parce qu'il a sur certains manias des médias des infos gênantes. Sinon, tout son bazar serait détruit. Ce genre de collection, c'est Verboten, tu vois? Ouais. Autre chose. Ce coup-là est balèze, monumental. Il y a une fortune à la clé. Tu m'apportes Hitler. Derrière, tu me fais un dernier job, un truc facile. Et ce sera fini. Toi et moi, on sera quittes. Tu es sérieux? Très sérieux. Ce sera terminé, fini. Très bien. Combien à ma commission? Environ 500K. Le mec est complètement dingue. Il veut cette toile et il ferait n'importe quoi pour ça. 500 000 $, tu dis. Je rentre chez le gars, je prends et je sors. Il y a quand même une chose que tu dois savoir. C'est quoi? Ben, quand il était au Vietnam, Wolf adorait dormir tout nu. Une nuit, les Viet balancent des grenades sur le camp. Ça pétait de partout. Wolf attrape deux Browning 9 mm. Il sort de sa tente comme une fusée. Il exécute personnellement 11 Viet Cung. 13 balles dans chaque flingue. 26 balles en tout. 11 morts. 2 tirs par Viet. Une balle dans le cœur, une balle dans la tête. Il a manqué que 4 fois sa cible. Tout ça dans la nuit noire et nu comme un ver. On lui a décerné la Purple Hearts, la Silver Star et je sais plus quoi d'autre. Tu adores le moment où il est à poil, hein? Va te faire foutre, c'était dans Time Magazine. Ça va, ta tension? Tu jettes un œil. On dirait que t'as avalé une grenade. Tu parles, ça fait plus d'un an que je me suis pas éclaté. Je suis fier de toi. Merci. Allô? Oui, je sais. Ok, je vais me rafraîchir avant d'y aller. Attends, ouais, non, ces toilettes sont hors service. Non, c'est bon, il peut aller dans celle-là. Ok. J'ai légèrement saigné du nez avant que t'arrives, je suis désolé. Ouais, j'ai vu ça. Je l'ai vu chez mon père. Oui, sûrement. C'était il y a longtemps. Andrew Wyatt, 1950. Le premier job que ton père a fait pour moi, en fait. Je l'ai mis là en son honneur. Quelque chose m'a dit que tu penses qu'il devrait être à toi, hein? Non, j'ai pas dit ça. C'est inutile. Tu as cet air vindicatif et moralisateur sur le visage. Je le sens. Tu sais quoi? Je suis désolé pour ton père, je te jure. Mais il n'y a plus rien à faire, ça sert plus à rien de se lamenter. Eric, faut qu'on se remette au boulot. T'as raison. Michael? C'est quoi?
quoi cette merde? Michael, descends vite voir ça! Grouille-toi! Donc ça, c'est l'original? Oui. Quand vous êtes-vous aperçu qu'il avait disparu? Hier. Je vois. Je suis désolé. Vous pensez que vous pourrez le retrouver? J'en doute. Il va sûrement être revendu. Au marché gris, bien sûr. On ne retrouve que 2% des œuvres quand c'est des pièces de cette valeur. Ah, c'est très encourageant. Oui, en gros, ne vous faites pas trop d'illusions. Avec les éléments qu'on a, on a plus de chances de trouver le Père Noël en Équateur. Écoutez, je sais que vous avez déjà tout dit à la police de L.A., mais j'aimerais vous le demander encore une fois. Y avait-il quelqu'un à cette soirée que vous ne connaissiez pas, genre... traiteur, serveur, personnel? Ce type de vol est toujours l'œuvre d'un professionnel. Non, on connaissait tout le monde. Il n'y avait que nos extras habituels. Ok. Excusez-moi. C'est qui le monsieur qui a nettoyé le tapis? Qu'est-ce que tu dis, chérie? Le monsieur qui a pris le tapis. Il m'a dit d'apporter un verre à une dame. Monsieur Brooks, est-ce que vous pourriez me faire parvenir une liste des invités? Merci. Ah, tu bosses de nuit maintenant? Il est que 7 heures. Ah ouais, ça je sais. Billet pour les Kings, premier rang. Et je suis en retard. Ah, éclate-toi bien. Foiré de connard de merde. Thank you.
Oui. Salut. C'est Elise. Salut. Je monte ou bien... Oui, monte, bien sûr, oui. Ouais. Merde. Merde. Vas-y, je t'ouvre. Salut. Salut. J'ai pensé à un truc. Ah, c'est vrai? Je me suis dit qu'on pourrait en discuter. Bien sûr, on peut en discuter, oui. Comment tu m'as trouvé? Oh, j'ai regardé dans ton portefeuille. Ok, chouette. On va manger? Au coin de la rue, super bar, super table. D'accord, oui. Bien, okay. Tu me donnes une minute? Attends-moi là. J'attends dans le couloir, je... Oh, ok. Ouais. C'est très bien. On y va? Ouais. C'est parti. Dis-moi, j'ai beaucoup repensé à ton gars, à Don, ton espèce de connard de producteur. Ouais. Je comprends pas, je veux dire, il te fait chanter parce que tu t'es barré de chez lui? J'ai manqué un truc? Bah... J'ai omis de te raconter l'épilogue. J'ai fait un truc idiot, sans doute par honte ou par dépit. J'ai volé le ravissant petit collier qui était dans la coiffeuse de Madame Eisenstadt. Ouais. Et j'ai aussi fait autre chose. Je doute qu'une femme mariée aime trouver la culotte d'une autre femme dans son panier à linge. Enfin, bref, il s'est avéré que le collier avait été prêté pour une soirée de gala. Il valait 250 000 dollars. Le problème, c'était que je l'avais vendu 50 000 à un Serbe, un certain Milos. Deux semaines plus tard, Aton m'a appelé et m'a dit que j'avais volé la mauvaise personne et que je devais lui rembourser les 250 000. Quand j'ai répondu « sinon quoi ?», il a dit « tu ne retravailleras plus jamais dans cette ville, chérie ». Et ensuite, tout à coup, ton manager te laisse tomber, ton agent ne te rappelle pas et... tu fais du strip à Palmdale. C'est où, Palmdale? C'est sale et que personne ne sait où c'est. Ah. Et... tu peux pas racheter ta dette? C'est ce que j'essaie de faire, un film d'horreur italien à la fois. Je lui dois encore 200 000 dollars, ou comme il aime à dire, 400 millions de lire. Tu t'aurais pas ça sur toi, par hasard? Pas en lire, non. T'as gagné, belle partie, c'est à toi. Non, non, garde ça, me quitte. Ok. Cependant, j'aurais une offre à te faire. Bon, écoute, ça peut paraître un peu dingue, mais... est-ce que ça t'intéresserait de me donner un coup de main, en reprenant le truc du faux petit ami? Comment ça? Bah, t'es actrice, non? Ouais. Alors, est-ce que ça t'intéresserait de devenir une acheteuse potentielle de maison dans les beaux quartiers de Costa Mesa? Non, pas du tout, mais ça ressemble à la description d'un rôle. Ouais, c'est un rôle. J'ai l'impression qu'il y a un truc que tu me dis pas. Ouais, peut-être. Il y a quoi dans la maison? Justement, je dois vérifier si quelque chose s'y trouve ou pas. Quand? Le week-end prochain. Et comment je dois m'habiller? J'en sais rien. Habille-toi comme une femme qui veut acheter une maison à Costa Mesa, ça ira. Ça m'aide beaucoup. Amuse-toi bien. À ce week-end. Salut. Je vais traîner un peu ici. C'est cool. Santé.
Tu veux entendre une histoire marrante? Jette un coup d'œil là-dessus. C'est quoi? Le Larchmont Charter. C'est le meilleur, tu devrais lire les journaux locaux, Ivan. En haut de la première page, à droite. Un homme de 40 ans trouvé mort dans la rivière à Los Angeles. Pas d'antécédents de drogue, pas de casier, battu, torturé, une balle dans la tête, il n'a pas survécu. Saute au dernier paragraphe, il a fait les beaux-arts et travaillé pour les musées. Tu le connais? Non. Je l'ai jamais vu. Bon. Bon, écoute, il faut que je finisse ça et que je retourne bosser. Faut que tu pointes tous les jours, hein? Ouais. Retour dans les mines de sel, le nez sur les cailloux, c'est ça? C'est ça. Tu veux savoir quoi exactement, Ray? Papa, je sais pas. J'en sais rien. Ça fait longtemps que je suis plus sur le coup, mais j'ai la nette impression que t'essaies de nettoyer les merdes de papa. Ouais, ben, c'est comme ça que marche le monde. Je vois. Bon. Lis le journal local. Et fais gaffe à toi. Tiens. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? C'est un flingue. Celui de papa. Comment ça se fait que t'as son flingue? Reprends-le. Bon, ok. Si tu veux, mais je crois pas être celui qui en a le plus besoin. Tu sais t'en servir? Le manuel est dans la boîte. Ça va ton allemand? Le mien est un peu rouillé. Je crois que c'est dans l'autre sens. En fait, il y a un mec planté dans sa bagnole au coin de la rue. Il a été là toute la matinée. Bah, c'est sûrement rien. Ouais. Combien la blinde? 500. Jetons, 500. Merci. On continue, 5. Ok. Suivi. Je relance. 110. Relance de 100. Tout. Tapis pour la dame. Je me couche. C'est à vous, monsieur. Ok, je suis. Suivi. Perdas. Bonne chance à tous. Le brelan de roi gagne. Désolé. Hé, hey, vous m'en donnez une? Bonne chance, Mehdi. Ça, c'est ce que j'appelle du bol. C'est ce que j'appelle du bol. Hé, jeune fille, vous regardez ou vous jouez? Bah, j'en sais rien, je devrais faire quoi, selon vous? Je crois que vous devriez jouer. Venez, approchez, laissez Big Daddy vous montrer comment on fait. Bon, soufflez sur les dés. Oh, ok. Voilà. Tiens, tu attrapes, Adrian. Croisons les doigts, c'est parti, les gars. C'est parti. Hé, hey, les mecs, c'est quelque chose, ça. Jeune fille, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes mon porte-bonheur. Oh, vous n'avez pas besoin de porte-bonheur. Vous avez raison. Apportez-moi un verre, j'ai soif. Ok, dépêche. Ok, c'est reparti, Hardy. Ouais, ouais, vas-y. Salut, Janice. Salut. Tu devrais sortir par derrière. Ah ouais? Oui, devant les vigiles font du zèle. Ok, merci. Comment tu vas? Chaque journée est meilleure que la précédente. Je ressens exactement la même chose. Allez, salut, bonne chance. Toi aussi. Thank you.
J'ai déposé ton fric. Ce parking est réservé à la direction. On te l'a déjà dit. Jolie robe. Elle devait avoir meilleure allure hier soir. Ouais, tu les as eues ? Messieurs, ça a été ? Ben, je suis en vie. Où est le Hitler ? T'arrives ici les mains vides, tu m'expliques ? Oui, c'est... c'est ce dont je voulais te parler. J'aime pas ce que tu viens de dire. Il y a eu des complications. Quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Je te parle du FBI. Ils sont sur moi, un agent en particulier. Non ! Non, non, non ! Fais chier, merde, non ! C'est pas comme ça que ça marche. Tu lui as parlé à ce type ? Non, bien sûr que je lui ai pas parlé. Alors comment tu peux être sûr qu'il est du FBI ? Parce que sa voiture a une plaque du gouvernement et qu'il a pas le look d'un gars du recensement. Putain ! Qu'est-ce que tu fous, là ? C'est quoi, ça ? Tu le vois bien. Et là, maintenant, je veux que tu sois totalement franc, à 100%. La vérité, Ivan, je t'écoute. Ok. J'ai rien dit à ce type. Je le ferai jamais, tu le sais. Pourquoi tu pointes un flingue sur ma tête ? C'est toi, mon grand, qui m'oblige à le faire. T'as oublié quelque chose, Dimitri. Où est le Hitler ? Je l'ai, ton tableau. Pourquoi tu l'as pas porté si tu l'as ? C'est mon assurance-vie. T'es conscient que t'es dans une gigantesque merde ? Oui, et de plus en plus conscient, je dois dire. Écoute-moi. J'ai jamais vraiment eu l'intention de te tuer. C'était un simple test. Je te testais, c'est tout. Crois-moi. Tout va bien. Tout va bien. C'est pour les éclaboussures. Mais j'avais pas l'intention de faire d'éclaboussures. Ok, je me tire. Attends, attends. C'est quoi ça ? Ce sera ton dernier exploit. Je t'ai fait gagner un max de blé et je te laisse quitter le business, ce qui n'est pas du tout dans mon habitude. Tu m'apportes cette sculpture qui est dans une maison hyper sécurisée, tu m'apportes Hitler et on arrête. C'est terminé. Tu seras libre. C'est le nez de Giacometti. Tu connais ? Jamais entendu parler. C'est un gros coup. Super. Ivan ! Attention, toi. Bonsoir. Il est bon, le hachis ? Délicieux, je me suis régalé. Vous devez le savoir, c'est votre resto préféré. Vous voulez me parler, je crois. Je ne pensais pas me faire repérer déguisé ainsi. Lyman Wilkers, FBI. Inutile de vous présenter, Monsieur Harding. Je me suis informé. Pourquoi vous me suivez ? Je ne vous suis pas, non. Je vous observe. Ce n'est pas du tout pareil. Si c'était une filature, j'aurais besoin d'enregistrement, d'une surveillance, d'une autorisation du juge. C'est ça. Ça ressemble beaucoup à une filature, quand même. Je voudrais un café. Je vous fais ça. À ce jeu-là, vous êtes meilleur que moi, alors je vais être direct. Ça vous ennuie si je suis direct ? Faites donc. C'est facile de vous trouver. Vous cherchez 10 minutes sur Internet et vous trouvez seulement 50 ou 60 gars qui travaillent dans l'art et qui vivent dans le coin. Voyons voir ça.
a travaillé pour deux sociétés privées, Cooper Beasley et Montrose Partners. Il y a aussi eu deux musées après les Beaux-Arts. Vous voulez savoir la vérité? On a un témoin visuel. Et il n'y a rien de tel qu'un témoin visuel. Même si ce n'est qu'une enfant. Je trouve ça assez ressemblant, finalement. Les joues sont plus charnues, mais... je pense que c'est la faute du dessinateur, pas la sienne. Oui, probablement. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis un agent sur le terrain depuis plus de 17 ans. J'ai atteint une sorte de ras-le-bol chronique. Je crois qu'il est grand temps que je change, peut-être pour un poste dans un bureau, avec une voiture moins pourrie. Et... pour vous le dire tout net, j'en peux plus des arnaques de merde des petites têtes de nœuds dans votre genre. En 3 ans, vous et vos potes, vous avez récolté plus de 75 millions de dollars en vendant sur le marché gris le fruit de vos vols. Je vous explique. Même si vous croyez que votre truc est plus sécurisé que l'achat d'une nonne, vous ferez une connerie. Ça sera peut-être pas vous, ça viendra peut-être d'une très instable copine. Ou d'un petit frère bipolaire. Mais il y a toujours une faille. Est-ce que je vous ai dit que je faisais ça depuis 17 ans? Ouais, vous l'avez dit... deux fois. Et pour autant que je sache, vous n'avez que mon CV et le témoignage d'une gosse de 4 ans. Oh, Ivan. C'est curieux, je ne me souviens pas de vous avoir dit qu'elle avait 4 ans. Vous avez deviné par hasard, bien sûr. Bon, qu'est-ce que vous me voulez ? D'abord, je vais être très clair. Vous êtes sans intérêt. J'en ai rien à faire de vous, vous ne représentez rien pour moi. Sauf si... et sauf avec un S capital, je vous dis. Vous pouvez me livrer le boss de la bande. Si vous ne le faites pas, je vous flanque mon pied au derrière. Vous avez encore un fax? Je vous emmerde. La cuisine est immense, idéale pour ceux qui aiment cuisiner. Et la maison, contrairement à beaucoup d'autres dans le secteur de Costa Mesa, n'a pas été touchée depuis des années. Donc il y a un énorme potentiel. Je vois, oui, c'est magnifique. Ouh, on a perdu votre petit ami. Ah, oh, il va revenir, il fait toujours ça. D'accord. J'adore vos chaussures, elles sont très belles. Oh mon Dieu, merci. Ouais, magnifique. Nordstrom Rack. Oh. Ouais. Enfin bref, il y a une vraie opportunité d'en faire quelque chose de vraiment original. Mon copain est impossible, je ne sais pas où il est. Je suis désolée. J'ai entendu. Oh, vous voilà. Ouais. Si ça ne dépendait que de moi, j'appellerais tout de suite les déménageurs. Mais vous connaissez ces messieurs, ils ont besoin de réfléchir 2 ou 3 semaines. Oui. C'est vrai. Oui. Un grand merci, Mélanie. Oh, merci à vous, Candice. C'était un plaisir, merci. Tout le plaisir était pour moi, Terry. Vous êtes un couple si adorable. Merci. Bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci. On reste en contact bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. T'as trouvé quelque chose? C'est idéal pour piéger quelqu'un. Et c'est bien? C'est bon à savoir. Tu l'aimes, cette maison? Pas du tout. Et toi? Non, il y avait une odeur atroce. C'était sans doute la moquette. Ouais, t'as raison. C'était sûrement la moquette. Ouais. Ouais.
Ivan, dis-moi, je voulais te demander... Le tableau, il est devenu quoi? Le tableau? Guston, le peintre abstrait qui a fait de la politique. Une palette assez sobre, détestant Nixon, le sens de l'humour. C'était dans tous les journaux. Ivan, quand je t'ai demandé combien il valait, tu m'as dit que tu savais pas. T'es un menteur. Non, c'était pas tout à fait un mensonge. Qu'est-ce qu'il est devenu, alors? Ne pose pas de questions dont tu crains la réponse. Ils vont me tuer. Qui veut tuer le propriétaire? Non, non, pas le propriétaire, c'est une directrice de musée. Elle est charmante, elle est âgée. Non, c'est le grec. Je travaille pour lui, il veut me tuer. Le grec? Ouais. On est où, là, dans un polar? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, c'est compliqué, mais je crois que... Je crois que je vais le tuer avant. Putain, ouais, la vache, c'est sûr, c'est compliqué. Ouais, c'est, disons, complexe. Trop, peut-être? Oui, on peut dire ça. Oui, c'est... J'ai pas vraiment le choix. C'est quoi tes options? Mes options sont mourir ou ne pas mourir. Ok, mourir ou ne pas mourir. Ok, très bien, je veux en être. Qu'est-ce que tu me racontes? Que je veux en être. De quoi tu veux être? Ben, je veux pas que tu meurs. C'est très gentil à toi. Sois pas idiot, ça se refuse pas. Non, je pense me débrouiller tout seul, ça ira. Tu sais quoi? Tu deviens très con. Mon aide te sera très utile. Qu'est-ce qui te fait penser que je veux que tu m'aides? Je t'ai rien demandé. Je veux pas. Non, non, bien sûr. Va te faire foutre. Merde. 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 Attends, s'il te plaît. Je suis désolé. Redis-le. Je suis désolé. Ok, ouais. Et quand je dis que je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ça suffit. Ouais. Et si je te disais que j'ai besoin de ton aide? Je te répondrais que t'as raison. Et que tu devrais me le demander. Élise, j'ai besoin de ton aide. Ouais. T'as raison. Là, on est d'accord. Et combien je toucherai? Nous y voilà. Tu savais que j'allais te le demander. Ouais. Ouais, je le sentais venir. Bonjour. Salut. Salut. Rewarding. Désolé de vous avoir interrompu. Élise. Pas du tout. Ravi de vous connaître, Élise. Moi aussi, je suis ravie. Bonjour. Bon, tu es là, c'est super. Eh ouais, je suis là. T'as fait la connaissance d'Élise? Ouais, à l'instant. Oui, enchanté, Raymond. C'est mon conseiller de probation qui m'appelle Raymond, s'il vous plaît, appelez-moi Ray. Ray, d'accord, je vais aller mettre un non, truc. Non, restez là. Je vais pas rester dans vos pattes. En fait, je file au boulot. Élise. Contente de vous connaître. Enchantée. Okay. Au revoir. Ça va? Très bien, ouais. Ouais? Ok. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Désolé. C'est mon frère. Je pensais qu'il serait parti. Il est allé bosser. Je pense plutôt qu'il va rester dans un bar les 11 prochaines heures pour parier sur des courses de chevaux et puis ensuite faire la gueule. Ah. Il va habiter ici quelque temps, jusqu'à ce qu'il soit sur pied. Qu'est-ce qu'il a? Il a été malade?
Trouble bipolaire, addiction aux narcotiques et aux romans de William Gibson. Notre mère est partie quand il avait 6 ans et notre père est mort en prison, alors... Je comprends. C'est dur. Ouais. La famille. Ouais. Je dois aller nourrir mon chat. Tu as un chat? Ouais. Je te voyais pas en mémère à chat. C'est pas parce qu'on a un chat qu'on a une mémère à chat. Ouais, c'est vrai. Comment il s'appelle? Cat Stevens. T'as un chat qui s'appelle Cat Stevens? Ouais. Tu devrais lui changer son nom. Quoi? Quand il se convertira à l'islam? Écoute, je voudrais revenir sur ce que je t'ai dit. Le dentifrice sur la brosse à dents ne se remet pas dans le tube. Écoute, j'ai peut-être fait une connerie en te racontant tout ça, parce que franchement, c'est pas ton problème. C'était pas mon problème. Maintenant, ça l'est. Je vais aller m'habiller. Ouais, bonjour, c'est Ray, c'est ton frère. On a eu une visite inattendue à l'appartement. Un mec assez effrayant. J'ai ma petite idée. C'est la première partie du plan? C'est la première partie. Je récupère le téléphone. Vous ne voulez pas me parler de la partie 2? Non, pas encore. Bon, ok. Peu importe. Mais écoutez, c'est votre bordel. Je vais pas aller prendre de risques pour sauver vos fesses. Je sais. Vous me laissez sortir? La portière est pétée. Secouez la poignée. Tirez vers le haut. Je tire sur ce machin, là? Ouais. Et voilà, ça s'ouvre. Super.
Il a un sacré matos, le gars. Il a l'air de se préparer pour un interrogatoire. C'est notre ticket gagnant, ceci dit. Écoute, il a dit qu'il entrait là-dedans pour prendre le téléphone du mec. Surveille-le, je lui fais pas confiance. C'est un petit voleur de merde. L'emmener à Laguna. Comment je le reconnais? Ben, c'est le mec le plus flippant qu'il y aura au bar. Te fous pas de moi. Je me fous pas de toi. Je te jure. Je serai là. Il est très bon. Ce putain de talon s'est cassé. Excusez mon langage, mais je viens d'acheter ces chaussures et elles sont déjà achetées. Le fabricant, qui est-ce? Vous dites ça comme si vous alliez le frapper. Possible. Je vous en crois capable. Vous croyez que je peux rester pieds nus, ici? Vous avez l'air du genre de femme à faire tout ce qui lui chante. Je voudrais un verre de vin rouge. Qu'est-ce que vous avez? Dites-moi, vous devriez peut-être essayer celui-ci. Je vais avoir du mal à le finir seul. Vous m'avez l'air de taille à le finir, mais... D'accord, je vais bien le goûter. Qu'est-ce que c'est? Un rouge italien. Je suis pas très calé sur les vins. David, donne-lui un verre, s'il te plaît. Tout de suite. Il devrait vous plaire. Merci. C'est un plaisir. Je m'appelle Karen. Dimitri. On ne vous a jamais dit que vous ressembliez à une star du grand écran? Eh bien, ma mère disait souvent que j'aurais eu un air d'Audrey Hepburn si Audrey Hepburn avait été une garce. Je crois que votre mère et mon père se seraient bien entendus. Il est délicieux. Bien sûr qu'il est bon. Il y a intérêt. Je prends systématiquement le vin le plus cher. J'avoue ne pas m'y connaître. Ils ont tous un goût de sirop pour la toux pour moi. Mais vous, je suis sûr que vous savez l'apprécier. Si vous le dites. Vous faites quoi? Je suis consultant en art. C'est quoi exactement? Je conseille des gens dans la composition de leur collection, je veux dire. Par exemple, certains veulent des pièces rares et c'est moi qui les leur trouve. Et vous, que faites-vous? Ben, moi, je suis actrice. Mais ne me demandez pas si vous m'avez vue dans quelque chose. C'est ce que tout le monde vous demande? Ah oui, je... En général, je réponds que j'étais dans Forrest Gump et ça leur suffit. Vous y étiez? Et... Vous dînez là, au bar, tout seul? Plus maintenant. Et vous? Ah, je devais rencontrer un producteur pour un projet, mais il a... une heure de retard, alors... Il veut vous mettre dans un film? Ah, je crois qu'il veut me mettre dans son lit. Je comprends. Vous m'excusez une minute? Connard. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh,
C'est le producteur? Oui, il vient de me planter. Quel abruti, il envoie une voiture pour m'emmener à Laguna Beach et en fait, il vient pas. J'en ai plus qu'assez de ces conneries. Magnifique. C'est quoi? Rien, c'est une affaire qui s'est bien conclue. Tant mieux pour vous. Ça vous dirait de faire un tour dans ma limousine? Oui, bien sûr, j'en serais ravi. Vous avez d'autres projets? Non, je n'ai aucun autre projet. Mais qu'est-ce qui vous fait rire, alors? Non, rien. Vous étiez génial dans Forrest Gump. Vous vous moquez. Bon. Très bien, je vous le demande une dernière fois. Voulez-vous venir faire un tour dans ma luxueuse limousine? Oui, ce serait bien. Ayez l'air convaincu. Oui. Oh putain, oui. Où allons-nous boiter? Je garde la maison d'un couple très riche à Laguna Beach, alors il faudrait être sage. Laguna? Oui, le chauffeur attendra et il vous ramènera. Très bien. Allons-y. Vous mangez pas votre steak? J'en prendrai un demain. D'accord. Un truc bizarre dans le fichier sur le barbu. C'est-à-dire? Soit il a un alias avec le même nom de famille. Soit... Soit il a un jumeau. Et Ivan ne le sait pas. Il y a deux affreux là-dedans. Oh merde! Le petit va direct au massacre. On intervient? On n'est pas là. Et s'il le tue? Ben, il sera mort. Elle est pas mal, hein? Pas mal. Et si vous veniez avec nous? Ok. C'est vous qui payez. Il y a quelques bons vins. Qui habite là? Oh, c'est un ami. Il me prête la maison. En échange, je sors les poubelles et j'arrose les plantes. Un verre de vin? Avec plaisir. J'y connais trop rien, moi non plus, alors... Et si on celui-là, il est vieux? Hé, 84. Thomas, vous voulez bien nous l'ouvrir? Oui, bien sûr. Faites-le décanter, il a de l'âge. Va te faire pendre, mon vieux. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, c'est mieux qu'il décante, monsieur. Excusez-moi, je vous ai déjà vu au champ de course, je crois. Non.
Et maintenant? Si vous nous mettiez un peu de musique, je reviens tout de suite. Karen? Qui appelez-vous, Karen? Ah, j'envoie un message à ma colocataire. Je l'ai. Pourquoi ce téléphone est si important? Parce que maintenant, je suis mort. Vous aurez votre gars dans la matinée. Débrouillez-vous pour que les autres me lâchent. Pas de soucis. Rien de tout cela n'est jamais arrivé. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Compris? Compris. Merci, Agent Wilkins. Voilà qui est bien. Avec le temps, vous devenez plus respectueux. Ouais, sans doute. Hé, dites-moi un truc. Comment vous saviez qu'il n'y avait pas de sculpture? Elle est dans les collections permanentes du Guggenheim. Vous en savez des choses. Ça fait les beaux-arts. Allez, viens. Et voilà. Laissons-le respirer. Il sera meilleur. Comme vous voulez. Et si vous me disiez pourquoi vous m'avez amené ici? Ce serait à vous de me dire pourquoi vous êtes venu. Eh bien, le deal m'a semblé avantageux pour tous les deux. Et vous pensiez que c'était quoi, le deal, exactement? Vous devez être en manque de père ou d'une figure du genre, et vous avez pensé qu'avec moi, la vie serait plus douce. Vous avez peut-être raison. J'ai raison. Ah oui? Ouais. J'ai raison. J'ai de l'argent. Vous adorez ça. Et peut-être que vous aimez le fait que je porte une arme. C'est un vrai? Faites-moi plaisir. Posez vos pieds sur les coussins. J'aimerais pouvoir les regarder avec toute l'attention qu'ils méritent. Vous êtes un peu effrayant. Ah, ce n'est rien de le dire. Frottez-les l'un contre l'autre, doucement, d'avant en arrière, comme une bonne fille. Avec plus d'ardeur. Là, c'est mieux. Vous avez promis d'être sage, vous vous rappelez? Oh, je serai sage, Karen. Vous avez dit vous appeler Karen, n'est-ce pas? Je vous ai appelé par votre nom tout à l'heure, vous n'avez pas réagi. Quand on appelle Dimitri, je me retourne immédiatement, c'est un réflexe. Thomas! Soyez gentil, venez ici une minute, s'il vous plaît. Oui? J'ai besoin d'avoir votre avis. Au sujet de mon eau de toilette. Excusez-moi? Je vous pose la question d'homme à homme. Répondez franchement, dites-moi. Trouvez-vous que mon eau de toilette sent trop fort? Je trouve que vous sentez bon. Je vous remercie, c'est très gentil, mais je doute que vous puissiez avoir un véritable avis sans vous être approché. Venez sentir mon cou. Je suis sans doute pas la personne la plus qualifiée pour vous sentir. Thomas, sentez mon putain de cou. Allez, je vous demande pas la lune. Oui, c'est vrai. Sentez-la, c'est tout. Allez. Allez, juste un petit sniff. Non. T'es un loser de merde, comme ton père, fils de pute. Saloperie de famille. Déshabille-toi.
Grouille! Ouais. Très bien. Lève-toi. Allez, viens sur moi. Allez, comme ça. Ouais. Laisse-moi te dire un peu comment je bosse, ok? Tu vois, je reçois un message sur mon téléphone. Chaque fois qu'un job est terminé. Je suis un grand fan des Jets. Je veux dire, je sais qu'ils sont nuls, mais... Que veux-tu? C'est mon équipe. Pendant qu'on était au restaurant, j'ai reçu un de ces messages de mon ami Anatoly. Magnifique. Ça signifie que ton copain Ivan ne risque pas de débouler ici comme une fusée, ni maintenant, ni jamais. Parce que c'était ça le plan, exact. C'est vraiment dommage, son cadavre gît sur le bas-côté de la route dans Costa Mesa maintenant. Va te faire foutre. T'es Nostradamus, bébé. Tu vois dans l'avenir. Je prends le relais, chérie. Merci. Ça va? Ça va. Salut, mon gros. Seigneur. Hé, hey, tu bouges pas. Tu bouges pas. Ok. Je crois que je vois où tu veux en venir. Quel plan tu as imaginé? Tu vas me menotter au mur, tu appelles les flics pour donner un tuyau anonyme disant que j'étais en train de voler une œuvre d'art, c'est ça? Un truc comme ça. C'est un Egon Schiele sur le mur, hein? Ouais. C'est une belle pièce. C'est moi qui tombe. Vous êtes blanc comme neige. Ok. Échec et mat. Doucement. Ouais. Doucement. Tu n'es qu'une sale vipère. Hé hey. Putain. Si j'étais toi, je poserais gentiment mon flingue. Regarde, je vais te donner un peu de motivation. Oh mon Dieu. Tu sais quoi, Dimitri? Va te faire foutre. Non. Tu la fermes. Ivan, attends. Je t'ai dit de la fermer. Je t'ai dit d'attendre. Attends. Ivan, attends. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Attends. Ok. Ils ont peut-être raison. On pourrait trouver un arrangement, ok? Avant, il y a un point que je veux aborder. Quel point? Eh ben, il y a un truc. De quoi tu parles? Quel truc? Tu vois, c'est un truc, en fait. Ouais, il a raison, il y a un truc. Il y a un truc. Comment c'est un truc? Enfin, de quoi vous parlez? Tu sais que chaque vin a un goût bien différent des autres. Ouais, ils ont tous un goût différent. C'est vrai. Ouais. Je comprends pas, tous les vins ont le même goût pour moi. Où tu veux en venir? Tu te trompes, je t'assure. Oh la vache. Qui appelez-vous, Karen? Qui appelez-vous? J'envoie un message à ma collègue. Bordel de merde. C'était chaud, putain. C'était chaud, ouais. Ça va? Comment j'ai été? T'as été génial. J'ai adoré. Ça va? Merci. Ça va, allez. T'es sûr? Ouais. Il est mort? Ouais, il est... Il est très mort. Ça a été un peu plus long que ce qu'on avait dit, ouais. Ouais, ben... C'est pas une science exacte, tu sais. Il y a beaucoup de composants. C'est malgré tous les défauts et les immenses conneries de papa, il a jamais essayé de te tuer. Ouais. Ça, j'en suis pas certain. Pas exprès, en tout cas, tu vois. Ouais. On va dire ça. Agent Wilkers, vous allez trouver le corps de Dimitri Maropakis. La cause du décès est un infarctus du myocarde, dû à une overdose de cocaïne, et... Si ça ne vous suffit pas pour mettre un point final à cette histoire, écoutez ça. Rien de tout cela n'est jamais arrivé. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Compris? Compris.
Merci, agent Wilkins. Voilà qui est bien. Avec le temps, vous devenez plus respectueux. Ouais, sans doute. Hé, hey, dites-moi un truc. Comment vous saviez qu'il n'y avait pas de sculpture? Elle est dans les collections permanentes du Guggenheim. Vous en savez des choses? J'ai fait les beaux-arts. L'enfoiré. Vous dites que vous l'avez trouvé comme ça? Oui. En trois quarts d'heure, il n'avait pas bougé une oreille, alors... Et il était quelle heure? 7 heures ce matin. 7 heures. Ça va, ça va, on se détend. Je vous jure, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'argent? Non, 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 non. Non. C'est moi qui vais te donner de l'argent. C'est quoi ces conneries? Voilà, avec ça, on est quitte. Quitte pour quoi? Pour Élise. Je crois que ça règle toute sa dette. Quoi, mais c'est qui, Élise? Ah oui, l'actrice. C'est ça. Ouais. Ouais, bon, d'accord, ok, ça roule. Maintenant, je vous prie de sortir de ma voiture avant que j'appelle la sécurité. Vous êtes un grand malade, vous. Oh, oh, c'est fini, c'est bon. Elle a payé, c'est terminé. Ça va? C'est fini. Ça va aller? C'est bon, je m'en occupe demain. Il va falloir te montrer un peu plus convaincant, Adon. Oh, ce soir. Ce soir, super. Je m'en occupe ce soir. Ce soir? Ok, ok. Allez, prends ça. Appuie dessus. Oh, merde. Ma femme. Mm-hmm. Elle doit pas savoir. Qui ça? Diane? Non, bien sûr, elle saura rien du tout. Okay. Allez. Au revoir. Oh, putain. Putain, quoi? Où est-ce que je peux trouver de la bouffe pour chat? Il y a une supérette sur Kawinga. En fait, c'est sur Ventura. C'est juste à côté de Kawinga, sur la 101. Vous suivez la 101? Non, c'est le cauchemar à cette heure-là. Ouais. Je vais trouver. Ok. Merci, Aton. Y a pas de quoi. Ah. Oh. Ce ne sont pas les toilettes. Non. Difficile de se repérer ici. Oui, c'est grand, on s'y perd. Venez, je vais vous montrer où c'est, ma chère. Merci. Vous avez une robe ravissante. Merci. Il n'y a pas que la robe qui est ravissante, d'ailleurs. La citation de Willie Sutton où il disait qu'il braquait des banques parce que c'était là que se trouvait l'argent fut plus tard réfutée par Sutton lui-même comme étant apocryphe. Ce qu'il dit ensuite, c'est qu'il braquait des banques parce que ça l'amusait. En fait, il aimait ça. L'argent, déclara Sutton. L'argent, ce ne sont que des jetons. Mesdames et messieurs, je suis désolée. Je vais devoir vous prier d'évacuer les lieux.